es là pour nous guérir. Tu es là pour nous fortifier. Emmanuel, tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous. J'aime mieux avoir Christ que tous les biens de ce monde. J'aime mieux avoir Christ que tout l'or du monde. J'aime mieux avoir Christ, alléluia, que tous les biens que le monde peut offrir. J'aime mieux avoir Christ que les comptes en banque renflués. J'aime mieux avoir Christ, alléluia, qu'un chariot automobile fourni. J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ, le défenseur par excellence. J'aime mieux avoir Christ, l'agneau de Dieu immolé. J'aime mieux avoir Christ, alléluia, l'intercesseur à la droite du Père. J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ, l'ami fidèle. J'aime mieux avoir Christ, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. J'aime mieux avoir Christ qui s'est donné pour nous. J'aime mieux avoir Christ, alléluia, qui s'est chargé de nos infirmités et qui s'est chargé de nos iniquités. J'aime mieux avoir Christ, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ. Gamoko na ko kite Kome ma eko luso Senangu ya na yeso Dena ko kie Gamoko na ko kite Moko na ko kite Kome ma eko Senangu ya na Yesu Dena kokie Liloba na yobomo Emanda kati enanga Etene misangangwe Tola yo Iloba na yobomo Yanda raba shakara makon. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Gangui Tatola yomo sungi Yesu. Alléluia. Kala Nanga Yolo isingae Yolo isingae Satana Yolo isingae Olongi singai Salaka ete Yesue Mokoti Olikona yo Katinanga Elonga Olikona yo Yesue ya molimo Gai namona kembo Hallelujah
Salakaete. Misoya molimo. Fongolanga miso na mona kembo. Chante encore, salakaete. Lola. Salakaete. Yoka limonda inangai, alleluia. Misoya molimo. Na mona kembo na Yahweh na lola na mona kembo na Yahweh na lola alleluia salaka ete Yesu miso ya molimo miso na ya molimo baba. Na mona kembo na yo na réaliser tes ensemble na ngai alléluia alléluia na mona kembo na Yahweh na lola na mona kembo na mona kembo na Yahweh na lola na mona kembo na Yahweh. Son avis à Molly, moi, moi, ma. Don't want a camp, but I yo. Don't that yo, then Zambia solo a big Isaka. Hallelujah! Hallelujah! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Seigneur, merci. Merci Seigneur, bien-aimé. Jésus n'a pas changé. Je disais, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui. S'il a guéri hier, il peut encore guérir aujourd'hui. S'il a guéri hier, il peut encore guérir aujourd'hui. S'il a guéri hier, il peut encore guérir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il peut te restaurer dans ton corps. Il peut réhabiliter certaines choses dans ton corps. Il peut stabiliser ta santé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Alléluia. Il est le même. Il est le même. Alléluia. Oh, il est le même. C'est lui le patron de l'église. Oui, oui, c'est lui le patron. Oui, oui, c'est lui le patron de l'église. C'est lui le chef. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah, gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu es là. Je sens que la main de Dieu est là ce matin. Oui, elle est là. Elle est là ce matin pour restaurer. Elle est là pour guérir ce matin. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Il peut dissiper le doute. Alors que tu te dis, est-ce que je guérirai? Est-ce que je guérirai? Quand je vois cette sœur-là, donc assise, en train de bénir son Dieu, et quand je parlais avec elle au téléphone, elle était hospitalisée. Quel doute dans son cœur! Elle doutait que même un jour elle viendra encore s'asseoir dans cette assemblée pour pouvoir célébrer le Seigneur. Mais elle est là parce que la main de Dieu est passée par elle. Oh, il y a encore un Jésus qui guérit en cet endroit, mes amis. Je sais, je sens qu'il y a une activité de guérison ce matin en ces lieux. Il y a une activité forte de guérison ce matin en ces lieux. Veuillez vous asseoir, vous qui êtes debout. Le psaume 103 nous dit ceci. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel,
Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On peut le lire ensemble, verset 2 à 3, 1, 2, 3. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es où c'est? Nous allons reprendre cela ensemble. Les versets 2 de Psaume 103 à 3, on va y aller, 1, 2, 3. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Le psalmiste poursuit en disant, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Voilà une des raisons pour laquelle tu dois le bénir. Il pardonne toutes tes iniquités. Bapi melayo pardon nanzambe ndoko yeba sens ya manque ya pardon. Oh, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, mon âme. La suite c'est quoi? Qui guérit toutes tes maladies, pas quelques-unes, mais toutes les maladies. Alléluia. Alléluia, toutes les maladies. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Il guérit de toutes les maladies. Est-ce que tu crois qu'il guérit de toutes les maladies? Ouais, ouais. Il guérit de toutes les maladies. Amen, amen. Amen, amen. Même si dans ton corps ce matin tu vas mal, crois qu'il guérit de toutes les maladies. Dans Ésaïe 53, à partir du premier verset également, il est écrit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a renoncé? Qui a reconnu plutôt les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Vous entendez ça? Jésus s'est élevé devant le Seigneur comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Lui, Jésus, quel tableau? Lui, Jésus faible? Oui, il a accepté cet état-là de faiblesse. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Habitué. Vous êtes avec moi, habitué. Oui, oui. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Waouh! Jésus, il a librement accepté cet état des choses. Devenir faible. Il a porté nos douleurs. Il a porté les souffrances. L'homme sans défaut. L'homme sans tâche. Jésus. L'homme sans douleur. Mais là, à la croix de Golgotha, il a tous mis sur lui la douleur, les souffrances, les difficultés. Il a tout mis sur lui. Et le verset 4 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est dans nos douleurs qu'il a fait quoi? Qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que vous et moi, nous sommes guéris. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Que vous et moi, nous sommes guéris. Bien-aimés, la parole est puissante. En elle-même, elle est très puissante. Jésus guérit jusqu'aujourd'hui. Amen, amen. Imaginez, donc, entendez ce que le prophète dit. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et donc, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées sur lui. Ce sont nos douleurs qu'il s'est, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. De la même manière qu'il a porté nos infirmités, nos iniquités, voudrais-je dire, c'est de la même manière qu'il a porté aussi nos infirmités. Alléluia. Femme,
Tu es délivré de ton infirmité. Pouvait-il dire dans cette synagogue? Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que nous appartenons à un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Quelqu'un m'a suivi? Nous avons un Dieu qui guérit, mes amis. Oh, amen, amen. Nous avons un Dieu qui guérit. Qui guérit. J'en suis témoin. Nous avons un Dieu qui guérit. Dis à ton voisin, notre Dieu guérit encore. Prêche avec moi ce matin. Dis à ton voisin, notre Dieu guérit encore. Ne regarde pas à la gravité de ta situation. Ne regarde pas à la gravité de ton problème de santé. Oh non, mais je sais qu'il guérit de tout. Je sais qu'il guérit des rhumes. Je sais qu'il guérit des maux de tête. Non, c'est bien ça. Mais sais-tu aussi qu'il guérit des rhumatismes? Sais-tu aussi qu'il guérit même des poumons qui sont vraiment foutus et qu'il peut te remplacer d'autres poumons? David a dit, peut-être que je n'ai pas lu jusqu'à ce niveau-là, le psaume 103. David a dit que celui qui délivre, que plutôt que celui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes tes maladies, verset 4, celui qui délivre ta vie de la fosse, oh, il délivre ta vie de la fosse, on parle de la fosse de la mort, hein, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui, verset 5, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ah, si j'étais à ta place, j'allais acclamer cette parole. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Du haut de tes 60 ans, mais on dirait qu'on te donne 42. C'est lui qui fait ça. Non, non, c'est dit que c'est l'Éternel qui fait ça. Il est capable de te rajeunir comme l'aigle. Et dans ce domaine-là, j'ai toujours dit, quand je prie, je ne prie pas selon les généralités. Je vais dans les spécificités maintenant. J'ai dit, Seigneur, tu es capable de rajeunir mon foie. Seigneur, tu rajeunis mon foie. Tu rajeunis mes reins. Tu rajeunis mes poumons. Tu rajeunis mon cœur. Tu rajeunis mon cerveau. Tu rajeunis mes pieds, mes jambes. Je vais citer chaque organe. Car il a dit, il est celui qui me rajeunit comme l'aigle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, non, j'ai comme l'impression que je ne parle pas à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Saisis cette parole, donne un bon amen et ça va, oh, ça va prendre corps. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri. Moi, il m'a dit, dis ça à mon peuple, dis ça. Alléluia, dis ça à mon peuple. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Vous me servirez. Le texte du dimanche passé, Exode 23. Vous me servirez. Alléluia. Oh, Église, quelqu'un a dit, vous me servirez. Quelqu'un le dit après moi, vous me servirez. Dieu dit, vous me servirez et je pourvoirai à votre eau et à votre pain. Acclame le Seigneur. Il va pourvoir à ton pain et à ton eau. Oh, acclame le Seigneur. Il dit, vous me servirez. Oh, y a-t-il des serviteurs de l'Éternel ici? Y a-t-il des servantes de l'Éternel ici? Est-ce qu'il y a-t-il des serviteurs de l'Éternel dans cette salle? Y a-t-il des servantes de l'Éternel dans cette salle? Il dit, vous me servirez. Et moi, je pourvoirai à votre pain et à votre eau. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Katuka. 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 Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ce n'est pas toi qui éloignera la maladie du milieu de toi, mais dit lui, il prendra ça en charge. Il éloignera, oh, il éloignera la maladie du milieu de toi. Il a promis ça, frère, soeur. Ce n'est pas un menteur. Celui que je prêche n'est pas un menteur. Celui que j'adore n'est pas un menteur. Celui que je vous annonce n'a jamais été menteur. Il veille sur sa parole. Oh, il veille, il veille, il veille. Oh, il veille sur sa parole afin que celle-ci s'accomplisse. Oh, amen, amen. La parole qu'il nous donne, c'est cette prophétie qui va jusqu'à son terme. Cette prophétie va à son terme. Sa date d'accomplissement est déjà arrêtée. Elle va, elle marche.
cette prophétie marche. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que la parole que Dieu libère a des jambes. Elle marche. Elle marche. Elle va jusqu'à l'accomplissement. Elle marche. Oh, bien-aimé. Et Dieu a dit, vous me servirez. Y a-t-il les servantes de l'Éternel ici? Y a-t-il les serviteurs de l'Éternel? Il a dit, vous me servirez. Et je pourvoirai à votre pain. Il faut le prendre au mot. Seigneur, moi, je te sers. Et aussi, si tu ne le sers pas, ne tombe pas dans les pièges. Et puis, quelle est la qualité de ton service? C'est ça le problème aussi. Quelle est la qualité de ton service? Servir le Seigneur, c'est ce que nous faisons ici, dans les départements ici et là. Mais servir le Seigneur, c'est aussi une vie d'adoration, une vie de célébration, une vie de sanctification. Partout où nous passons, il ne faut pas que Dieu nous dise, quand nous le servons, dit, non, toi tu ne me sers pas, tu es un menteur. Mais si nous le servons réellement, cette parole doit s'accomplir dans nos vies, mes amis. Oh, alléluia. Elle doit s'accomplir dans nos vies. Dit, je pourvoirai à votre pain et à votre eau. J'aimerais te dire, et je te parle à toi, Dieu pourvoira à ton pain et à ton eau. Amen. Dieu va le faire. Amen. Dieu va t'étonner. Amen. Dieu va t'étonner. Amen. Et cette église sera témoin. Amen. Dieu va t'étonner. Amen. Dieu pourvoira à ton pain et à ton eau. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Et la troisième chose, c'est qu'il éloignera la maladie du milieu de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de parler dans cette maison. Je disais que Dieu est en train de parler dans cette maison. Alléluia. Pourquoi doit-il me demander d'insister sur quelque chose que j'ai épinglé dimanche passé? Pourquoi? Il sait pourquoi. Oh, amen, amen. Il sait pourquoi. Vous me servirez. Oh, oh, j'ai envie de danser. Vous me servirez. Alléluia. Vous me servirez. Oh, oh, oh. Vous me servirez. Vous me servirez. Ah, vous me servirez. Vous me servirez. Et je pourvoirai à votre pain et à votre eau. Ah! Vous me servirez. Vous me servirez. Alléluia. Vous me servirez. Et moi, l'Éternel, je pourvoirai à votre pain et à votre eau. Il dit, je pourvoirai à votre pain et à votre eau. Il dit, je pourvoirai à votre pain et à votre eau. Il dit, je pourvoirai à votre pain et à votre eau. Il dit, je pourvoirai à votre pain et à votre eau. Il dit, je pourvoirai à votre pain et à votre eau. Il dit, je pourvoirai à votre pain et à votre eau. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, je vais finir. Si Dieu ne peut pourvoir à notre pain, à notre eau, que lorsque le pays va bien, alors il n'est plus Dieu. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Si pour lui, pour pourvoir à notre pain, à notre eau, il faut que Tshisekedi et le gouvernement arrangent ce pays, alors il n'est plus Dieu. Mais nous appartenons à un Dieu qui pourvoit au pain de ses enfants, alors même quand tout va mal. Ah, quelqu'un ne m'a pas suivi. Même quand les conditions ne sont pas réunies, je pensais que je parlais à l'église. Oh! Alléluia! Même quand tout va mal, il dit, je pourvoirai, parce que je suis Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La provision de Dieu n'a rien à voir avec la provision du Congo. Je disais que la provision de Dieu n'a rien à voir avec la provision du Congo. Je disais que la provision de Dieu n'a rien avec la provision du Congo. Je disais que la provision de Dieu n'a rien avec la provision de Tigo. N'a rien à voir avec la provision. N'a rien à voir avec la provision de la banque centrale. Que sais-je encore? La provision de Dieu. La provision de Dieu ne finit jamais. La provision de Dieu ne finit jamais. Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile quand je ferai les gâteaux et nous mangeons et nous mourrons. Et puis, on va faire les gâteaux et on va refaire les gâteaux. Et les mois passent et les années passent. La farine est toujours là. Pourquoi? La provision de Dieu. Ah, je parle de la provision de Dieu. La provision de Dieu. Et n'a rien à voir avec ton salaire. Ah, je choque quelqu'un. La provision de Dieu n'a rien à voir avec ton salaire. Tu vas bâtir une maison, non pas avec le salaire, parce que ton salaire ne peut pas le faire. Tu vas bâtir avec la provision de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu vas bâtir avec la provision de Dieu. Tu vas bâtir avec la provision de Dieu. Tu vas bâtir avec la provision de Dieu. Tu vas bâtir avec la provision de Dieu.
Il y a une provision au-delà de la provision. Il y a une provision au-delà de la provision. Il y a une provision au-delà de la provision. Il y a une provision au-delà de la provision. Ramayon de Roboshente. Alléluia. Il y a une provision au-delà de la provision. Ramamamama. Il y a une saison. Il y a une nouvelle saison que le Seigneur est en train d'ouvrir sur la parole éternelle. Chandaramayen de Rebababa. Ramayondo Roboshente Rebayeka Mama Mama Ndarabashanda Rabayeka Rabayende Rema Mama 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 Roboshende Rebakata Alleluia. Alleluia. Yamayanda Rama Mama 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 Rekabaya Karabasheka Yababaye Karabayeka Ramayanda Rama Karabashenda. Re, 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 Rama, Rama, Yanda, Rama, Karama, Shedeka, Ika, Mayo, Koro, Shete. Hallelujah! Hallelujah! Oh, Père! Oh, Papa! Merci pour ta provision spirituelle. Merci pour ta provision. Hallelujah! Merci pour ta provision. Merci pour ta provision. Merci pour ta provision. Papa, Papa! Merci parce que, Hallelujah, ta provision ne connaît pas de limite. Rende, re, Maya, Karaba! Rekaya mama mama norobo shente ha ha ha. Hallelujah. 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 Remayanda ramashata. Ramayakanda rabashe. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Il y a une provision au-delà de toute provision, mes amis. Il y a une provision au-delà de toute provision. Serviteur de Dieu, je sens qu'il y a une onction spéciale. Marchez, promenez, anciens, sortez de vos rangs. Alléluia, promenez-vous. Priez pour les gens. Remayanda Rabashanta. Ndaramayondo Roboshekar Rabakanta. Alléluia. Ramayanda Rabashekar Rabakonto. Il y a une provision au-delà de toute provision. Rende Yamayaka Ramashanta Rema. Mamayanda Rabayaka Rabashete. Eh, Rema, Mama, Mama. Do robo shekara baba ye kanda yama yema ondoro shoya ye kama yema manda yanda rama korobo shente. Alleluia. Alleluia. Oh, gloire à toi Seigneur notre Dieu. Alleluia. Rama yanda raba shente. Jésus, il y a une provision au-delà de toute provision. Recevez, reçois, reçois, reçois la grâce de Dieu. Reçois. Eh, reçois, oui, reçois. Alléluia, reçois. Ramayakuru Bushit. Yanda Rabakura Barabashin. Ramayanda Rabashika Rababa. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Ah, Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, alléluia. Ah, Jésus, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Oh, Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 Daraba shakaraba korobo sha de ya mama 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 oh ramaya karaba shakaraba glorifie toi Seigneur notre Dieu. Alléluia. Jésus, 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 nous te désirons Seigneur notre Dieu. Alléluia. Tu nous touches.
touches, oh Dieu, tu nous touches. Tu nous touches, Seigneur, notre Dieu, alléluia. Ouais, Seigneur. Tu nous visites, éternel. Tu brises les chaînes. Ramayanda Rabashi. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu brises nos chaînes. Yahweh, Yahweh. Yamayundo Rubushe. Shandarama Yako Rubushe. Yahweh. Randa Rabashaka Rabakanta. Tu touches et tu restes. Tu touches et tu restaures, Seigneur. Yahweh. Tu touches et tu restaures, Jésus-Christ, alléluia. Yahweh. Le Dieu de toute compassion. Yahweh. Tu es le Dieu de toute compassion, Seigneur. Yahweh. Alléluia. Remayanda raba baba. Rende reba shakara baba. Korobo shete. Yahweh, 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 lâchez ça. Allez-vous-en. J'ai dit lâchez ça. Lâchez. Allez-vous-en. Lâche. Lâche sa vie. J'ai dit lâche. C'est énorme. Lâche. Va-t'en. Va-t'en. Sors d'elle. Sors. Sors d'elle au nom de Jésus-Christ. Libère. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Rebachata. Alpha et Omega, Rebachata. Sors, sors, sors. Au nom de Jésus, alléluia. Rebachata Rabako. Merci Seigneur. Oh mon Dieu. Glorifie-toi, Jésus. Oh Seigneur, souviens-toi de ta servante. Yahweh touche. Yahweh visite. Yahweh, 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 Yahweh. Touche ta fille. Restaure sa vie. Merci Seigneur. Tu n'as pas fini d'intervenir. Tu n'as pas fini d'agir. Nous la bénissons au nom de Jésus. Merci Seigneur. Yahweh. Te prions pour elle. Afin que tu la touches. Et que tu la restaures. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Merci Jésus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yamayanda Rabashaka Rabako. Tu es Yahweh. Ikanda Ramama.
Indaraba shekaraba kondoro. Tu es Yahweh. Alpha. Nous allons tous nous lever pendant une minute. Alléluia. De partout là où nous sommes. Alléluia, alléluia, alléluia. Ramashe karaba kontone. Alléluia. Il n'a pas changé le Seigneur. Jésus n'a pas changé. Nous ne dépendons pas de notre provision. Nous ne dépendons pas de la provision du médecin. Nous dépendons de sa provision. De sa provision. Nous dépendons de sa provision. Yeah, ma chandar, ya ma koro boche. Yeah, ma yandor yo bache. Ikandar ya ma koro boshente ya ma. Ima ya kandar ya bashente ya ma ondoro boche. Oui, rema ndar ya ma she. Ndar ya ma koro boche kar ya ba konto. Yeah, rema shikara mama. Ndar ya ma koro boshente. Yanda raba korobo shinta. Nous dépendons de sa provision. Oui, nous dépendons de la provision d'en haut. Nous dépendons de la provision de Dieu. Oui, nous dépendons de la provision de Dieu. Oui, nous dépendons de la provision de Dieu. Oui, nous dépendons de la provision qui ne finit pas. Nous dépendons de la provision qui ne tarit pas. Nous dépendons de la provision de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Étonne-nous chacun à son niveau. Étonne-nous chacun à son niveau. À la hauteur de ta provision à toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur notre Dieu, alléluia. Jésus, 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 merci, merci Seigneur.